les vignes. Cette semaine, rencontre avec Fabien Duvaux, un vigneron producteur de Saumur-Champigny et membre d'une coopérative. Puis nous irons dans le Cher, au domaine Tabordet, une propriété de 16 hectares et demi en plein Sancerrois. Et bien sûr, nous retrouverons Guilherme et Olivier, notre sommelier et notre chef. Et pour tout ce qui concerne le vin, n'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Legros de terre-et-vigne.com. Bonjour, pourquoi le vin est-il si cher au restaurant ? C'est vrai que parfois on hésite à prendre du vin quand on va au restaurant parce que bah, sur la carte, on le paye vite, 20, 25 euros la bouteille. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, de plus en plus, les restaurateurs se mettent à la vente du vin au verre. Et là, ça permet de déguster un vin avec modération, c'est ça le plus important. Et aussi à des prix qui restent tout à fait abordables. On peut donc se faire plaisir sans que ce soit dangereux. Il y a plusieurs raisons pour expliquer le prix du vin au restaurant. La première, c'est que vous savez, la nourriture est relativement peu chère, j'ai envie de dire, sauf quelques... Je ne parle pas de caviar, ni de certains foie gras ou des truffes, mais c'est relativement peu cher par rapport au prix du plat sur le menu. Si on tient compte qu'il faut acheter les matières premières, souvent à un prix déjà élevé, qu'ensuite il y a beaucoup de manœuvres, il y a du travail, il y a des charges, il y a des impôts, il y a des salaires, bon, et que finalement le plat lui-même est peu cher. Donc le restaurateur a tendance à se rattraper sur les vins. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus vicieux, c'est que pour le fisc, le coefficient 3 est le coefficient quasi minimum pour un restaurateur. C'est-à-dire que si le restaurateur, je vous prends un exemple, achète une bouteille de vin 5 euros dans un domaine. S'il ne la met pas au moins 3 fois 5, 15 euros à sa carte, le fisc va dire « oh là là, c'est bizarre ça ». Donc il va être redressé fiscalement. Donc ça ne va pas l'inciter à la modération, si je puis dire, et il va avoir tendance à multiplier par 4, voire par 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bouteille que vous allez payer 20 euros ou 25 euros, elle aura été achetée au domaine, au viticulteur, dans les 5 euros TTC maximum. Alors il y a une nouvelle mode, j'ai envie de dire, qui me paraît très intéressante, c'est celle des restaurants qui reçoivent du vin directement des domaines et qui acceptent qu'on puisse le goûter, évidemment, à table et partir avec le vin au prix acheté au propriétaire lui-même, au viticulteur lui-même. Ça, je trouve que c'est une façon intelligente de faire de la restauration et en même temps de favoriser, c'est toujours des vins d'une région, hein, de favoriser les viticulteurs qui sont autour du restaurant finalement. Est-ce bien d'acheter son vin en supermarché ? Alors écoutez, on trouve vraiment de très très bons vins dans les supermarchés, notamment au moment des foires au vin. Le problème, je crois, n'est pas là. Le problème, c'est que dans les supermarchés, il y a tous les défauts, ou presque, c'est-à-dire il y a la lumière, il y a le fait qu'on présente les bouteilles debout et pas dans leur carton, il y a un peu de chaleur, il y a une température qui ne sont pas... c'est pas idéal tout ça. Donc, si vous achetez du vin au supermarché, vous choisissez des caisses pleines de préférence ou des cartons, le vin sera resté couché, sera resté à l'abri de la lumière, mais évitez, c'est mon seul conseil quasiment, évitez de prendre des bouteilles qui sont là présentées debout et depuis un certain temps, on ne sait pas depuis combien de temps, ça sera beaucoup mieux pour votre vin. À 28 ans, Fabien Duvaux est un vigneron attaché aux traditions. Quand il reprend les 17 hectares de vignes de sa famille, il décide de remettre en service le pressoir et les cuves, mais malgré tout, il doit envoyer 70% de sa production dans une coopérative. Moi, c'est Fabien Duvaux, donc je suis un jeune vigneron installé depuis 2008, j'ai 28 ans, et donc j'ai repris l'exploitation familiale, et je suis la 8e génération installée ici, à Chassé, donc dans le Maine-et-Loire, appellation Saumur-Champigny, une des 9 communes comprenant l'appellation, dont nous sommes sous le terroir finalement, puisque ces caves creusées dans le tuffeau constituent le terroir du Saumur-Champigny. Aujourd'hui, j'exploite 17 hectares, principalement en Saumur-Champigny, donc avec en gros 90% de Cabernet Franc, un petit peu de Chenin. Donc je produis des Saumur-Champigny et des Saumur Blanc. Moi, j'essaye de remettre un peu au goût du jour tout un tas de pratiques environnementales, notamment en ce qui concerne le travail du sol. J'utilise plus du tout de désherbant, j'utilise d'ailleurs même les outils de mon grand-père. Donc je chausse, je décavaillonne, hein, pas de mesures révolutionnaires, mais des mesures qu'on connaît depuis très très longtemps, donc comme ce qui vient d'être fait là récemment, hein, décavaillonnage de mes vignes.
J'utilise également plus du tout d'insecticides, puisque je pourrais peut-être vous en parler tout à l'heure. Nous avons mis en place à l'échelle de l'appellation un programme pour la biodiversité et toute la faune auxiliaire. Donc les insecticides, c'est terminé pour moi. Également, une troisième chose, c'est que j'utilise maximum de mesures prophylaxiques, comme les effeuillages, etc., pour éviter d'utiliser maximum les produits de synthèse. On a mis depuis presque 5 ans maintenant tout un réseau de haies pour favoriser la biodiversité et la faune auxiliaire. Ces mesures ont été mises en place par le syndicat des producteurs de Chaumur-Champigny, donc on est les seuls en France à avoir pu mettre toute cette énergie pour créer un réseau collectif, donc sur l'ensemble des 1500 hectares de l'appellation. On a également un syndicat qui est très actif, puisqu'on organise beaucoup de choses, comme les grandes tables du Chaumur-Champigny par exemple, des journées mondiales pour la biodiversité, donc qui s'est trouvée au mois de mai, etc., etc. Et une autre des forces qu'on a, c'est qu'on a ce qu'on appelle la cuvée des 100 vignerons, qui est une cuvée collective aussi, donc qui permet d'avoir vraiment une belle cohésion, une belle ambiance au sein des différents vignerons de l'appellation. On est une petite centaine, enfin une grosse centaine, et on s'entend vraiment bien, et on est dans une appellation qui tourne aussi globalement grâce à ça. Alors, un des gros avantages que j'ai, c'est de pouvoir être coopérateur que partiellement. En effet, je vinifie 30% de ma production chez moi et j'en apporte 70% ici. Donc ça a plusieurs avantages, comme je le disais. C'est premièrement déjà une sécurité financière. Deuxièmement, l'esprit de mutualité me correspond tout à fait. Et troisièmement, la sécurité financière que m'apporte la cave permet de vraiment m'amuser et m'éclater au niveau de mes vinifs chez moi. Seulement maintenant, j'ai envie de me développer. C'est pour ça que j'ai créé une activité de négociant en vin et que demain, ici, sur ces terres, je vais pouvoir fonder mon bâtiment, donc qui servira d'entrepôt pour mon activité de négociant. Ah tiens, Guilherme, justement, j'ai une question à te poser. La semaine dernière, j'ai dîné avec des amis, on a ouvert un Bordeaux, et ensuite, on ne savait pas quoi faire de la bouteille parce qu'on n'avait bu qu'un verre chacune. Et Qu'est-ce que tu en as fait du coup? Je l'ai mise au frais, j'ai remis le bouchon en liège et je l'ai mise au frais. Donc je ne sais pas si j'ai bien fait. Alors, tu as sur le papier, tu as bien fait, mais alors, je vais t'expliquer juste simplement, il y a des ennemis du vin, parce que le vin, c'est quand même assez fragile. Tout d'abord, il y a l'oxygène. Si c'est trop oxygéné sur le long terme, on dit que le vin va s'éventer, ça va changer d'odeur, ça va être néfaste. Il y a aussi la lumière qui est un gros ennemi du vin. C'est pour ça d'ailleurs que les bouteilles sont teintées pour les protéger des rayons UV. Et tu as aussi la chaleur. Donc c'était très bien de le mettre au frigo, notamment pour justement le stabiliser. En revanche, là où la seule erreur que tu as commise, c'est que tu as remis le bouchon dedans. Et la bouteille, une fois ouverte, peut apporter un peu de goût liégeux. Et ça, pour remédier à ça, pardon, c'est le bouchon universel. J'en avais pas sous la main. Exactement. Donc ça s'adapte à n'importe quel goulot. Oui. Tu mets la bouteille dans le frigo, il n'y a aucun problème. En revanche, de plus en plus dans le marché, on voit des nouveaux ustensiles. Je ne sais pas si tu connais cette machine. Non, pas du tout. Alors ça sert donc, on appelle ça... un tire-bouchon, non ? Bah, c'est l'idée justement pour reboucher la bouteille. Donc tu mets le bouchon comme ceci. Et ensuite, par-dessus. Et donc en fait là, tu vas pomper l'air qu'il y a tout simplement dans la bouteille pour que le vin ne s'oxyde pas. Et une fois que tu as procédé à cette opération, hop, tu laisses le bouchon et là tu peux conserver la bouteille dans une température assez fraîche, donc par exemple au frigo pendant 4-5 jours sans aucun problème. On peut le conserver 4-5 jours, après il sera plus bon après. Alors le vin rouge se conserve un peu mieux que le vin blanc, simplement parce que t'as des tanins, t'as un peu plus de matière, donc ce qui peut faire un peu barrière contre l'oxygène, contrairement donc vin blanc qui seront un peu plus fragiles, comme le rosé, exactement. Bon bah tu me le prêteras la prochaine fois, Guilherme, hein, j'en aurai besoin.
Très bien. Bon, bah, en attendant, je vous emmène dans le Cher, au domaine Tabordet, une propriété de 16 hectares et demi sur les rives de la Loire. Et les Tabordet y produisent du Sancerre blanc, du Sancerre rosé et du Pouilly fumé. Stay away from future plans. You have to take the beat. On se situe dans le département du Cher sur les rives de la Loire. D'un côté, on a Sancerre, le vignoble de Sancerre, et de l'autre côté, le vignoble de Pouilly fumé. Alors sur Sancerre, on a trois types de terroirs, ce qu'on appelle les caillottes, qui est des sols très pierreux, de calcaire blanche, les terres blanches, qui sont argileuses, et les silex en bordure de bois. Et sur Pouilly, on a des marnes chiméridiennes, des sols plus profonds, qui nous apportent plus de minéralité. On a 17 hectares en tout, on a 5 hectares de Sancerre et 12 hectares de Pouilly. Sur Sancerre, on a deux types de cépages, le Sauvignon blanc et le Pinot noir. Donc le Sauvignon blanc exclusivement pour les Sancerres blancs et le Pinot noir pour les Sancerres rosés et les Sancerres rouges. Et sur Pouilly, on a Sauvignon blanc 100%. Nous, on a la chance d'avoir surtout, on n'a pas un domaine qui est situé au même endroit, on est vraiment bien étalé. Donc ça permet d'avoir des terroirs différents, l'exposition, voilà. On n'est pas exposé pareil. Donc en fait, ça fait des types de vins différents. Donc à l'assemblage, c'est plus complexe généralement. Bon, on essaye de raisonner en fait notre culture. Avec au niveau des rendements, c'est une taille bio simple. Après, on travaille très simplement. On essaye de faire du travail du sol aussi. On fait des roulements de parcelles tous les ans. On n'essaye pas de faire travailler le sol sur tout le domaine. L'enherbement, oui, maintenant toutes les pentes sont enherbées naturellement. Et puis, voilà, pour un meilleur travail. Voilà. On part du raisin après cette pressurage qui dure environ 3 heures. On met les jus de raisin dans une cuve pour abaisser la température en dessous 10 degrés, ce qu'on appelle les débourbages statiques. On pompe le jus bien clair pour aller dans ces cuves pour la fermentation. Les fermentations vont se dérouler environ sur 3 semaines, 1 mois. Après, les vins vont s'éclaircir naturellement avec les froids de l'hiver. Après, on fait les premiers soutirages, janvier. Et les premières mises en bouteille à partir du mois de mars. J'essaye de, suivant les parcelles, suivant les types de sol, de séparer grossièrement quand même, pour voir ce que ça donne. Voilà. On essaye de le faire depuis 2007. Nos vins sont basés quand même pour accompagner tout ce qui est poisson, fruits de mer, en apéritif. Il faut que ce soit des vins avec beaucoup de fraîcheur du parfum, mais beaucoup de fraîcheur pour accompagner. C'est l'idéal pour accompagner un plateau de fruits de mer, des huîtres, des chèvres chauds, froids. Sur les salons des vignerons indépendants, on retrouve nos clients régulièrement qui reviennent, qui recherchent ce type de vin. On a la chance de faire plusieurs salons des vignerons indépendants. Ça nous apporte beaucoup de clients à la cave. Et vraiment de fidéliser nos clients. Bonjour Olivier. Bonjour Laetitia.
Alors j'aimerais que tu me proposes un plat qui s'accorderait bien avec du chablis, parce que j'ai des amis qui viennent dîner à la maison et je ne sais pas trop quoi leur faire, du coup j'ai besoin de tes conseils. Donc chablis, ça va être un vin qui a en même temps de l'acidité mais une belle structure. Donc on va faire ça avec on va faire une feuille de brique avec saumon, donc une chair assez grasse. Voilà, donc une petite compotée de poireaux qu'on va travailler avec un tout petit peu de vin de chablis. Voilà, et tout ça, on va le mettre, donc on va le mettre dans une feuille de brique et on va couvrir le saumon avec un petit peu de tartare noire, ce qui va donner vraiment du peps et ça va aller bien. Donc la chair grasse, ça va assez gras avec le peps de l'olive noire, ça devrait faire quelque chose de sympathique. Bah, ça a l'air parfait tout ça. Donc ça, c'est une recette voilà, très simple qu'on peut faire chez soi. Donc il nous faut préparer. Donc pour la compoter, donc on va avoir besoin d'un petit peu d'oignon. On peut remplacer le poireau par autre chose ou Non, parce que c'est vrai que saumon, poireau, tapenade, c'est quelque chose qui va assez bien ensemble. Donc quelque chose d'assez fin, parce qu'en fait le but c'est de juste faire une petite compotée, parce qu'après ça va recuire dans la feuille de brique. Et pour garder un petit peu de texture, voilà ce poireau un petit peu en texture. Donc on peut rajouter les poireaux. Ok. Voilà, petite compotée de poireaux. Là on remue bien. On peut ressaler un tout petit peu, pas beaucoup parce qu'après il y a la tapenade noire qui va ressaler, donc ça a rien de trop salé. Donc j'ai pris un petit peu de ce vin de chablis que tu m'as proposé et on va cuisiner un peu les poireaux avec. Comme ça, ça va déjà préparer notre accord mésévin. Voilà. Donc notre tapenade. Oui. Petite cuillère à café, voilà, et bien l'étaler pour que ce soit pas trop... Tu l'étales sur toute la longueur, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va pas ressaler. Parce que la table noire va quand même... Après notre compotée de poireaux. Prendre avec notre jaune d'œuf, donc on va quand même bien faire le tour pour que ça va nous coller la brique. La brique pour pas que voilà. Plus sur le tour en fait. Ouais voilà, plus sur le tour parce que c'est pas vraiment. Donc là, et on la roule. Et il n'y a plus qu'à prendre une poêle et à cuire. Allez. Donc là, 2-3 minutes de chaque côté. Hein, parce que voilà, on avait un pavé de saumon qui n'était pas très épais. Oui. Donc 2-3 minutes, ça va être bon. Alors ce qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'on peut la faire en apéro aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire des tout petits pavés et faire des petites bouchées pour l'apéro. Ou alors faire un grand que tu découpes. Voilà. Non, c'est moins. Ça prendra. Ce sera plus facile, ce sera moins agréable. Alors que là, on fait comme si on faisait des petits bonbons à l'apéro. Donc tu peux faire soit un plat entier, un beau pavé, soit à l'apéro, des petites bouchées avec le chablis, ça ira très bien. Alors pendant qu'Olivier finit le dressage, je vous emmène tout de suite dans le Beaujolais pour une exploration du vignoble en calèche avec la cave des vignerons de Bel Air. La cave se trouve donc sur la commune de Saint-Jean-d'Ardière ou Belleville, qui sont deux communes qui sont toutes proches l'une de l'autre. En résumé, entre Mâcon et Villefranche, c'est-à-dire au centre du Beaujolais, et tournée vers l'ensemble des coteaux, à commencer par la côte de Brouilly, qui est la plus proche, avec sa petite chapelle qui se trouve en haut de la colline.
et ensuite donc rayonne sur l'ensemble des crus, que ce soit les morgons tout proches, les rainiers, et comme je disais tout à l'heure, les chiroubles, les fleuries, et on continue jusqu'aux crus du nord qui sont également bien représentés. Alors là, on est dans le cru morgon. Ouais. Alors le Beaujolais avait dans ses grandes heures glorieuses oublié le touriste et c'était simplement une région de passage où tout le monde a toujours été très bien accueilli. Et depuis quelques années, tous les attributs touristiques du Beaujolais, je crois qu'il y a plus de 42 châteaux dans le Beaujolais, tout ce côté-là est mis en valeur avec la charte de Fontevraud pour garantir nos paysages, les garder authentiques tout en les modernisant. Mais toujours garder cette authenticité dans l'esprit, dans les paysages et dans l'accueil des gens. Les chambres d'hôtes, avec table d'hôtes, certains, c'est très, très important, se développent et souvent en complément d'une exploitation, toujours des exploitations de taille petite ou moyenne. Les gîtes marchent aussi très bien puisque nous sommes dans une région qui se développe énormément. Tout le nord de Lyon, il y a énormément d'entreprises de taille petite et moyenne et il y a beaucoup de mouvements. Alors, on est une petite exploitation, on exploite 8 hectares et demi. Donc, on a créé une activité annexe à l'exploitation, donc une chambre d'hôte et une boutique vigneronne pour faire de l'œnologie un petit peu, pour faire connaître notre terroir et vendre en direct notre production. Ce côté touristique vient compléter un petit peu les revenus de nos autres viticulteurs et contribue à la renaissance un petit peu du Beaujolais et dans un autre style, dans un style plus peut-être traditionnel tout en étant moderne dans la communication. Nous sommes en train de commencer une nouvelle ère pour le Beaujolais. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux vignobles et de nouveaux vignerons. Vous retrouverez bien sûr Guilherme, votre sommelier, Olivier, votre chef et Jacques, votre spécialiste. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Allez. Au domaine. Je vais trop me concentrer sur la caméra. Attends, je vais finir la tarte à tatin. La tarte à tatin. Non, oui. Non, je ne sais pas.